Et ben voilà, ça y est. Aujourd'hui, je l'ai reçu. Donc voilà, c'est la 125 KTM Duke de 2020. Voilà, c'est la toute dernière, couleur blanche. Donc il y a une petite spécificité. Apparemment, les anciens modèles 2017, 2018, 2019, ils avaient d'autres pneus. Moi, c'est des pneus Michelin. Donc voilà, elle est équipée Michelin. Là, elle est tout en rodage. Donc là, on m'a conseillé de faire à peu près 1000 km. Je sais pas si vous verrez. Hop, voilà, 59 km. Donc voilà, faut pas dépasser les 6000 tours. Donc on va y aller pépère. Voilà, c'est agréable à conduire. C'est une très bonne moto. On se sent un peu comme sur une super motard. Voilà. On a la même assise, la selle est assez confortable. C'est correct. La suspension est bonne. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, il faut aller sur le site, hein. Vous allez sur KTM For Race là, et puis voilà, sur la boutique, il y a toutes les spécificités, caractéristiques moteur et tout ça. Je sais qu'elle fait 153 kilos, voilà, c'est marqué sur la carte grise. Voilà, peau d'origine, on va changer ça après, on verra avec le temps. Voilà. Ouais, très très bonne moto, ça roule bien. Phare LED, il y a l'ABS, ABS déconnectable. Voilà, ça reste correct. C'est une très bonne moto pour le prix. Ouais, donc après, je vous conseille de bien aller chez KTM. Hein. Ou au pire, l'acheter sur le bon coin, ou je sais pas. Voilà. Dernier modèle. Donc là, on est en juillet, hein. Il est le 31 juillet, 1er août. Elle a 3 jours. Voilà. Je l'ai récupéré tout à l'heure. Bon, bah voilà. Je vous laisse. N'oubliez pas de liker, hein. Mettez un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Puis j'essaierai de faire d'autres vidéos. Merci à tous d'avoir visité mon site et voilà. D'avoir regardé la vidéo surtout. Merci à tous. À bientôt.